bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui pour la question du mardi. Petite pâte. Il fait super bon. Je vous dis bonjour à tous, aux copines et aux copinettes, à ceux qui font la question du. Et puis j'espère que tout le monde va bien et que voilà, que tout se passe bien, qu'il va faire. Maintenant il commence à faire un peu bon. J'espère qu'il va commencer à faire bon un peu partout. Et voilà, donc toujours la petite boîte et toujours un papier. Et toujours un papier, qu'est-ce qu'on va nous demander? As-tu ou? J'ai changé. Pardon. Il faut que j'en mette ailleurs. En fait, c'est mon iPad qui me filme et qui est accroché à la chaise qui est en face de moi. Et j'ai buté sur la chaise. Alors, as-tu un ou plusieurs jeux que tu As-tu un ou plusieurs jeux que tu n'utilises que pour toi? As-tu un ou plusieurs jeux que tu n'utilises que pour toi? Oui. Lesquels? Il y avait lesquels? Oui. Alors, lesquels? D'abord, celui de mon ami, de ma gentille. Elle est en vacances pour le moment, j'espère que ça se passe bien. De ma gentille Letty Soleil. Merci pour ton petit message. Super gentil. Et elle m'a offert en fait le Chrysalis Tarot, qui était le sien. Et oui, ce jeu, j'en ai deux, donc voilà. Et celui-là, c'est le sien, avec ses énergies, qu'elle m'a donné vraiment... Enfin, de la manière dont elle me l'a donné, ça m'a vraiment touchée. Et donc, entre autres, ce jeu, je ne l'utilise que pour moi. Il est magnifique. Et puis, il me vient d'une personne magnifique. En plus, c'est devant des papillons. Donc, ça fait partie de mes animaux totems, le papillon. Donc, vraiment, j'ai pris ça pour un signe aussi. Voilà, j'adore. Voilà, j'adore ce jeu. Il est splendide. Et vraiment, et puis j'adore Letty, donc ce jeu, je ne l'utilise que pour moi. Vraiment, il est trop trop beau. Enfin voilà, c'est personnel, c'est sentimental, c'est... Voilà, il y a celui-là, dans les tarots. J'ai aussi, pour le moment, je n'utilise jamais... Pour les autres, le tarot de Madame Lenormand, qui est dans les Lenormand, qui est dans les tarots, je ne sais plus où j'ai mis. Tarot de Madame Lenormand, rien à voir avec l'oracle. Donc celui-là, je l'utilise que pour moi aussi, pour le moment. Enfin, pour le moment, ça fait des années. Parce que... parce que voilà. Parce que voilà. Je n'avais pas envie de l'utiliser pour d'autres. Donc je viens de vous montrer entre autres un tarot et un tarot. Après je regarde après un oracle que je n'utilise que pour moi. Vous voyez, il est vraiment. Puis bon, ça ce sont les arcanes majeures. Maintenant, le fou par exemple, qui est un pantin, parce que regardez, les mains, ce ne sont pas des mains, ce sont des fétus de paille.
Voilà, la mort qui est spéciale aussi, mais j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Tempérance. Donc, voilà, vous voyez par exemple le 2 de bâton. Donc il est illustré, hein, il est illustré le 3 de bâton. Le 5 de bâton. Et on retrouve quand même dans ce jeu des parties de Mademoiselle Lenormand, donc là par exemple la lettre. Par exemple, les chemins, le 8 de bâton, les chemins, les souris aussi, vous voyez. Donc on retrouve quand même, c'est ça que j'aime beaucoup, la verge et le fouet. Oui, donc vous voyez, vraiment, valet, je vais juste vous montrer les cartes de cours, donc le valet de bâton, qui sont tout à fait différentes. Le chevalier de bâton, la reine de bâton, donc qui n'est pas du tout, ils sont pas du tout mis de la même manière que dans le tarot de Marseille par exemple. Voilà. Et puis voilà, on continue. Vous voyez, il y a aussi le renard. Et puis la renard, il y a moi, j'ai une poule. Il y a l'enfant. Donc on retrouve quand même ces éléments-là, j'aime beaucoup. Je regarde si je ne dois rien vous montrer de spécial. Non. Oui, il y a la faux. On retrouve quand même la faux. Le jardin aussi. Toujours avec un très beau papillon aussi. La maison. Enfin, moi, voilà, c'est ce que je compare par rapport à... on retrouvera l'encre aussi. À l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Le vaisseau. Serpent. On peut retrouver aussi des images, par exemple, de certains keepers aussi, dans ce jeu. Voilà. Des histoires, j'ai dit. Des images. De certains keepers, voilà. Donc ça, je range aussi, comme ça je ne... Donc voilà, alors... Je vais regarder dans mes oracles. Il y a aussi le livre de Thoth en général. Le livre de Thoth, il n'est pas assis ici. Je l'ai remonté. Le livre de Thoth que... À mon avis, j'ai jeté dans la chaire. Attendez. Je sais pas si j'ai le bougé de là. Franchement, ça ne va pas. Parce que je croirais sur un bateau. Donc, il y a le livre de Thoth, d'Etela, que j'aime beaucoup, beaucoup. Celui-là, pour le moment, je l'ai déjà utilisé, mais c'est vrai que il est beaucoup pour moi. Il n'est pas dans l'ordre. Hein. Il y a évidemment... Voilà, il se lit en haut, en bas. Enfin, droit et renversé, je veux dire. Donc voilà, moi ce jeu, je l'utilise aussi beaucoup pour moi. C'est spécial aussi. Ouais. Il n'a pas le même nom. Tout n'a pas le même nom. Enfin, bien sûr, voilà, la roue de fortune, oui. Mais toutes les cartes n'ont pas le nom. Voilà, tempérance, ici, ils mettent la tempérance. Et elle ne fait pas du tout... Elle ne vide pas du tout une urne dans l'eau d'une urne ou le liquide d'une urne dans l'autre.
Voilà, il est particulier celui-là aussi. Hein. De toute façon, celui qu'il connaît, ici, lui, pardon. J'ai des grandes jambes, en fait. Voilà, donc celui-là, oui, je l'utiliserai plus pour moi aussi. Et ça, c'est toujours à tarot. Donc, oracle. Je descends. J'ai des oracles là aussi. Pff, là, non, c'est pas... Si, l'oracle d'Isis qui m'a été offert par ma belle Nanou Angel, par ma filleule. Donc ça, celui-là, c'est pour moi. C'est un oracle qui me parle beaucoup. Et c'est parce que aussi, sentimentalement, il m'a été offert par ma Nanou. Et jusqu'à présent, je ne m'en suis servi que pour moi. Donc, je crois que hier ou avant-hier, Mirabelle a fait une petite démonstration sur sa chaîne de ce jeu. Oui, donc il est magnifique, les cartes sont immenses. Et voilà, j'aime bien m'en servir pour moi. Jusqu'à présent, hein, j'ai pas dit que je... Mais c'est plus sentimental aussi. Voilà. Voilà, voilà. Avec évidemment, il est splendide ce jeu, il est... Où est-ce qu'il est son livre? Ça m'étonne qu'il ne soit pas dans... Bon, c'est bizarre. Qu'il ne soit pas dans sa boîte. C'est bizarre. Donc, voilà. Et il est doré sur le tranché doré. Voilà le livre, il était en dessous. Il me semble bien que... Voilà, avec un livre très très bien expliqué. Et donc voilà, ça je ne l'ai utilisé jusqu'à présent que pour moi aussi. Voilà, sinon... voilà. Dans le Lenormand, non, je n'ai pas gardé pour moi spécialement jusqu'à présent un jeu. J'en ai encore reçu, hein, de Lenormand, j'en ai encore reçu deux, je crois. Ah non, il y en a un que je vous ai montré, l'autre je ne voulais pas montrer, mais je l'ai coupé. Ça, c'est un autre Lenormand, donc toujours avec les deux personnages. Et puis alors, je vous ferai une petite présentation du jeu. Il est en noir et blanc principalement, avec le sujet principal qui est en couleur. Je trouve qu'il est original. Donc, non, voilà. Voilà, voilà. Je pense que je tout dis. Oui, tous les jeux qui sont là, en fait, je m'en sers pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. Les jeux qui sont là, ce sont les jeux que je prends en consultation. Donc, mais les pochettes de Valou, celle-ci. Celle-ci, c'est évidemment de Margot. Oracle de velours. Et puis j'ai encore une qui me tient énormément à cœur et qui est là-bas. Attendez, je vous dirige, j'y arrive. Voilà, on arrive. Oups, celle-là, la rose, la pochette rose qui a été faite pour moi par ma fée, la fée Dina. Ma belle fée Dina. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai répondu à vos questions, donc à votre question. Donc maintenant, on va faire, parce qu'on est en retard, en fait. On est le 23. Eh ben, si on est le 23, j'en ai beaucoup à faire. Ça va faire beaucoup, ça. On va voir. Alors, le 8 mai. Un manager demande à une salariée. Dites-moi, est-ce que vous croyez à la réincarnation? Bah pourquoi?
Parce que votre grand-père est venu nous faire un petit coucou hier, alors que vous étiez absenté, vous vous étiez absenté toute la journée pour aller à son enterrement. Idée smile. Réécoutez le générique d'une série ou d'une émission qui passait à la télé avant, quand vous étiez enfant. Alors, Alain, propos sur le bonheur, 1928. On ne dit pas assez que ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment, c'est encore d'être heureux. On ne dit pas assez que ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment, c'est encore d'être heureux. C'est vrai. Le 11 mai, comment dit-on « déshabille-toi » en japonais ? T'as qu'à tout enlever. T'as qu'à tout enlever. Ah oui, Mirabelle, c'est bien pour toi que je le fais. Alors, défi smile. Incrustez-vous à la troisième mi-temps d'une équipe de rugby. Ça, c'est dangereux, hein? C'est dangereux. Alors, le 13 mai. Oh, encore Jean-Claude Van Damme. Tu as le droit de changer de signe du zodiaque, mais il faut que ta mère le sache vraiment à l'avance. Bon, le 14 mai, défi smile. Pour vous découvrir sous un nouvel angle, tout en vous amusant, échangez votre garde-robe avec celle d'un bon ami, au moins pour quelques jours. Il faut vraiment un bon ami. Parce que... Alors, le 15 mai. Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Sagesse zen, ouais. Une bénévole sonne à la porte. Bonjour, auriez-vous un petit quelque chose à remettre aux maisons de retraite? Pépé, fais ta valise, tu pars en voyage. Oh, celle-là, ça va. J'aime bien. Idée smile. En vous aidant des réseaux sociaux, retrouvez vos anciens camarades de classe et organisez une soirée école primaire pour vous amuser comme un grand enfant. À mon avis, ça s'est déjà fait. Ça. Alors, 18 mai, 56 cartons jaunes, dont 5 rouges. Frédéric Jaillant, journaliste sportif, alors directeur des sports de TF1. 56 cartons rouges, 56 cartons jaunes, dont 5 rouges. Défi smile. Ce soir, Rosé en fait la soirée de... Ce soir, osez enfin la soirée karaoké, vous allez peut-être vous découvrir une nouvelle vocation et bien vous amuser dans tous les cas. Mais oui, pour ceux qui aiment les soirées karaoké, moi je déteste les soirées karaoké. Je déteste les soirées karaoké, je déteste les soirées karaoké, je déteste les soirées karaoké. Je vous expliquerai pourquoi, un jour peut-être. Mais je déteste les soirées karaoké. Donc nous sommes le 23, allez hop, je prends tout, je range ceci. Alors, le 20, Horace, 65, 8, avant Jésus-Christ. Sur les flots, sur les grands chemins, nous poursuivons le bonheur, mais il est ici le bonheur. C'est peut-être encore vrai aussi.
Jacques Chirac, homme d'État français, président de la République de 1995 à 2007, pour le 21 mai. Chaque fois que j'ai voulu lancer une femme, cela m'est retombé sur la gueule. Côté conseil Smile. Dites je t'aime à ceux que vous aimez. Ça ne peut que faire du bien. Alors, et ensuite, pour aujourd'hui, le 23. Un 9 rencontre un 9. Un numéro 9, hein, pas un 9. Un homme, un 9. Un 9 rencontre un 6. L'air surpris lui demande « Tu es tombé sur la tête ?» Very, very, very good. Very good. Bon, je les garde pour faire mes consultations quand j'ai pu noter un petit quelque chose. Voilà, j'ai répondu à la question. J'ai fait tout ce que je devais faire, je pense, pour la question du mardi. Donc, ben, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. J'espère qu'il va faire bon. On dirait que le soleil veut sortir, mais il est un peu difficile. Voilà. On est donc mardi, demain ce sera le mercredi de Cédixit que je vais faire. Je n'ai pas su le faire la semaine passée. Pardon. Voilà, donc. Donc voilà, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. Que les copinettes et les copinets de la question du qui ne fait que s'agrandir, que s'agrandir, que s'agrandir, eh bien. Voilà, plein de bonheur aussi dans cette petite rubrique, parce qu'elle est vraiment sympa, quoi, on s'amuse bien. Maintenant, c'est vrai qu'il manque un peu des questions, ça commence à manquer, donc il faudrait peut-être que, si quelqu'un a envie de m'en envoyer, vous pouvez m'en envoyer ou les mettre en commentaire, dans les commentaires en dessous de la vidéo. Voilà, moi, c'est principalement sur le Normand, si vous avez des questions, voilà. Et puis, enfin, j'aime autant. Et puis voilà, sinon, ben je vous souhaite une très belle semaine. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre mardi. La question du mardi. Alors surtout, soyez positif, pensez positif et vous recevrez du positif.